Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Nancy. On ne peut pas aller à Nancy sans visiter la Villa Majorelle, symbole de l'art nouveau par son architecture et son mobilier. Alors pour découvrir tout ça, eh bien suivez-moi. Bonjour Caroline. Merci de m'accueillir ici à la Villa Majorelle à Nancy. Alors pourquoi me donner rendez-vous ici à cet étage ? Alors si vous voulez, ici vous êtes dans la cage d'escalier de la Villa Majorelle, donc cette villa, cette maison emblématique de l'art nouveau nancéen, et vous êtes dans un espace important dans la Villa Majorelle qui distribue tous les étages mais qui présente aussi un décor important, deux vitraux de Jacques Gruber. Sur le thème de la monnaie du pape. Monnaie du pape que vous retrouvez aussi sous les soupentes. Et puis vous avez cette extraordinaire rampe en bois avec ses balustres torsadés qui structurent cet espace. Elle date de quand cette Villa Majorelle ? Quelle est son histoire ? Alors elle a été construite vers 1901-1902 pour Louis Majorelle qui était ébéniste, ferronnier d'art et qui a été un des membres importants de l'école de Nancy, de ce qu'on appelle l'école de Nancy. Et il a demandé à un jeune architecte parisien, Henri Sauvage, de donner les plans de cette maison. Pourquoi Henri Sauvage ? Pourquoi lui précisément ? Il a voulu ce jeune architecte parce qu'il voulait que sa maison soit vraiment moderne, nouvelle, elle soit emblématique de son style. Il en a fait un peu l'emblème d'ailleurs commercial de son entreprise. Alors justement Caroline, je vous montre en quoi elle est emblématique en vous présentant la chambre à coucher de cette villa qui a été conçue, le mobilier a été conçu par Louis Majorelle pour sa propre maison. C'est un mobilier assez riche, vous voyez, dans des bois clairs avec ce qu'on appelle du plaquage et puis des décors de cuivre et de nacre qui sont incrustés dans le bois. Tout ça est très rond comme les fenêtres aussi. Voilà, vous voyez même les portes sont légèrement arrondies et ça c'est vraiment caractéristique de l'art nouveau et de l'école de Nancy, c'est qu'il y a très peu de lignes droites. Tout est en courbe. Le chevet du lit ressemble presque à des ailes de papillon. Ce qui caractérise l'art nouveau, c'est surtout l'art floral, en fait, la nature. Oui, la nature est très très présente dans l'art nouveau. C'est la flore et ça peut être aussi la faune. Voilà, vous m'emmenez où ? Alors, je vous emmène dans la salle à manger, qui est une pièce aussi centrale de ce rez-de-chaussée, qui était salon sur le thème de la pomme de pin qu'on retrouve sur la desserte, sur la cheminée, mais également sur ce mobilier puisqu'on la voit sculptée ici, mais on la voit aussi sur la garniture en velours. Pourquoi ce symbole de la pomme de pin ? Alors c'était un thème floral que Louis Majorelle aimait beaucoup et d'ailleurs d'un portrait qui a été exécuté par son fils, il s'est représenté avec la pomme de pin à la main. Et donc là, on arrive dans la salle à manger. C'est ça. Voilà, la salle à manger qui est une pièce qui a conservé une grande partie de son décor d'origine, puisque vous avez les peintures de Francis Jourdain, la cheminée en grès, et puis le mobilier que Louis Majorelle avait conçu pour sa villa. Ça, cette cheminée, on la voit partout, dans tous les magazines, elle est emblématique. Oui, elle est vraiment emblématique. D'abord, elle est très originale de fait de sa situation, puisque donc elle n'est pas contre un mur, et puis aussi de sa forme, qui s'inspire de l'épi de blé. Et puis vous voyez qu'il y a comme des sortes de consoles, et peut-être même qu'on pouvait s'asseoir sur ces sortes de langues, grandes langues qui encadrent le foyer. Là, pour le coup, le bois est foncé, contrairement à la chambre. Voilà, c'est un bois assez foncé avec un plaquage d'un bois exotique qui s'appelle bois serpent. Et les lustres aussi sont très emblématiques de cet art nouveau, cette forme complètement ronde. Et Voilà, on aime aussi beaucoup chez Louis Majorelle, il l'a fait dans la rampe d'escalier, mais également ces lustres, ces formes torsadées qui donnent un mouvement assez dynamique et qu'on voit ici dans le métal, également dans la griffe qui supporte les vasques en verre. En fait, cette maison servait de showroom à Louis Majorelle. Oui, voilà, il a expérimenté des techniques, il a mis en place son mobilier, il le photographiait dans cette maison et puis ensuite il le reproduisait dans les catalogues de commerciaux de la maison et donc on pouvait acheter du mobilier de la Villa Majorelle. Oui, il est avant-gardiste en fait. Voilà, c'est aussi une démarche avant-gardiste, publicitaire et commerciale.
Bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur la Villa Majorelle, eh bien rendez-vous dans le numéro de septembre d'Antiquité Brocante. Je vous embrasse très très fort et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous !